Aujourd'hui, on va parler huile essentielle du bonheur, parce que ça devient une obligation. Et c'est des huiles à utiliser tous les jours pour couvrir tous vos besoins. En fait, elles ne servent pas que au bonheur, hein. Ça fait un peu tout, hein, tout ça. Vous allez voir. Mais on part depuis le bonheur et le reste suit, hein. Alors, ce n'est pas un cours compliqué. Si vous n'avez jamais utilisé d'huile essentielle jusqu'à présent, c'est une bonne façon de s'y mettre. Un bon moyen de commencer, c'est avec ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Le but n'étant pas de vous apprendre à utiliser l'huile essentielle, mais de vous éveiller à des moyens de vous faire du bien en passant par le bonheur. Okay? Ah, bon, alors vite fait. Je vous donne ce cours en tant que directrice régionale NARA, qui est l'Association nationale d'aromathérapie holistique ici aux États-Unis, et parce que je suis membre du corps enseignant de cette association pour le respect de l'enseignement correct de l'aromathérapie holistique. Voilà. Et donc, si vous voulez en savoir plus, je vous répondrai pendant la séance de questions-réponses. Voilà. Ceci étant dit, on y va. Donc, on va parler de l'art de recevoir le bonheur. Alors, savez-vous recevoir? Parce que j'ai remarqué que la plupart de ceux qui ne sont pas heureux ou chez qui le bonheur ne vient pas tout seul, c'est ceux qui se mettent des blocages à bonheur ou qui ont des idées toutes faites sur leur capacité de réception, sur s'ils en ont, je veux dire, s'ils le méritent ou pas. Hein. Avez-vous la conviction que vous méritez d'être heureux, heureuse? C'est par là qu'il faut commencer. Et donc, pour vous aider à éliminer tous les blocages qui participent à vous convaincre du contraire, et il y en a en général beaucoup, on se complique beaucoup la vie hein, chez les humains, on va d'abord commencer à agir sur votre foi. Parce que de lui dépend votre flexibilité physique et émotionnelle. Alors, on va donner à votre foie une huile essentielle gourmande qui met de bonne humeur tout en l'aidant à se détoxifier, c'est-à-dire l'orange. Qui n'aime pas l'orange? Peut-être y en a. Alors, c'est très facile à trouver. Ça, c'est une huile essentielle qui est très facile à trouver. C'est une des plus économiques, utilisable pour tous. Il n'y a pas de limite. Elle n'est pas irritante, elle n'est pas toxique, même au long terme. Et en plus, son action, c'est du large spectre. Elle agit sur plein de plans en même temps. Okay? Donc, elle désinfecte l'atmosphère, mais surtout, elle donne le sourire. Hein? Donc, dans le creux de la main, comme ça, là, vous faites tomber une goutte. Bon, vous pouvez y rajouter une petite flaque d'huile végétale. Et vous vous tartinez les avant-bras partout où vous voulez. Et après, vous la respirez. Hein? Ce n'est pas la peine d'ouvrir à chaque fois le flacon quand vous avez besoin de la respirer. Vous allez la mettre en contact trop souvent avec l'oxygène. Hein, et l'oxygène, ça oxyde. Okay? Donc, vous ne voulez pas faire ça. Donc, vous respirez cette orange. Et vous laissez sa vibration faire venir un sourire sur vos lèvres. Et vous recevez son odeur gourmande. Et vous éprouvez la gratitude qu'elle soit là pour vous. C'est tout simple. Vous dites, ah, de l'orange. Ça me fait du bien l'orange. Merci d'entrer en moi, de me faire tout le bien que ça me fait, parce que l'orange va vous faire de toute façon énormément de bien, que vous le vouliez ou pas, elle ne vous demande pas votre avis. C'est de la manipulation à l'orange, ça. Donc, soyez content, vous avez de l'orange pour vous faire du bien. OK? Maintenant. On n'a pas terminé avec la capacité à recevoir. C'est un gros sujet, la capacité à recevoir, parce que il y a trop de monde
qui s'empêche de recevoir et s'empêche de profiter des bénéfices de choses aussi simples que des huiles. Okay, c'est déjà une chose que de vouloir travailler sur le bonheur, mais si vous bloquez complètement sur votre réception et sur votre capacité à être heureux et à ressentir le bonheur, ça ne sert à rien. Donc, on va travailler sur votre niveau d'amour-propre. Vous aimez-vous suffisamment pour laisser entrer l'amour et la guérison dans votre vie? Êtes-vous influencé parce que vous pensez que les gens pensent de vous? Êtes-vous même dirigé dans votre vie parce que vous pensez que les gens pensent de vous? Okay. Par l'idée que de ce que vous êtes supposé performer dans votre vie pour convenir. Avez-vous peur du jugement des autres, de votre famille? Cette peur de leur regard entretient-elle tout un dialogue assassin dans votre tête? Assassin envers vous-même, hein, bien sûr. T'es trop nul, tu sais pas faire ça, tu mérites pas. Ok? Donc, la première chose à faire vraiment, c'est de pratiquer l'art de n'avoir rien à faire du regard des autres. Alors, pour ceux pour qui c'est particulièrement ardu, compliqué, je suggère l'amande poivrée, Manta Pipirita, à respirer à chaque fois que vous retrouvez la main dans le sac de l'autocritique, surtout quand c'est dévalorisant et dénigrant. Parce que l'huile essentielle de menthe poivrée, on s'en sert pour soutenir la digestion et pas mal de douleurs, mais on s'en sert aussi pour vous anesthésier du regard des autres, de l'autocritique permanente. C'est une huile anesthésiante, mais pas que physiquement, émotionnellement aussi d'ailleurs. Moi, je le suggère à mes élèves et à mes clientes qui ont tendance à péter un câble pour un oui, pour un non. Il me faut un truc pour arrêter de péter un câble. Alors, je leur dis, diffusez-vous de l'huile essentielle de menthe poivrée, ça va vous rendre anesthésié, ça va vous refroidir les esprits, ça va vous éviter d'avoir la moutarde qui vous monte au nez pour un oui, pour un non, etc. Ou alors vous préparez un petit inhaleur à la maison, un petit truc comme ce qu'on met dans du Vicks, là, pour du Vicks, et vous gardez sur vous dans une poche votre petite menthe poivrée et vous, vite, vous sniffez quand vous sentez que ça y est, vous allez vous défouler sur vous, mais qu'est-ce que t'es nul? Ah non, t'es pas nul, vite, menthe poivrée. Donc évitez de vous mettre dans des situations où automatiquement votre autocritique va se manifester. Et vous pouvez remplacer ça par « non, t'es pas nul, non, t'es pas rien du tout, tu mérites d'être aimée, tu mérites de recevoir, tu mérites d'être heureuse. » Basta. Donc l'art d'accepter, comprendre que vous méritez de recevoir et de vivre le bonheur, ça c'est énorme. Donc pour clore le chapitre sur la capacité à recevoir, il faut travailler l'acceptation. Accepter de recevoir, accepter que vous méritez de recevoir, c'est ça, c'est tout un art. Hein. Souvent, ça prend beaucoup de travail. Et heureusement, il y a une huile essentielle qui va vous faciliter la tâche. C'est la marjolaine à coquille, Origanum majorana. J'utilise beaucoup dans les cas où les gens doivent déjà accepter leur maladie. L'acceptation de la maladie, c'est le premier pas dans la guérison. C'est énorme. Souvent, vous êtes malade parce que vous n'êtes pas aligné. Ce que vous faites dans la vie, ce que vous vivez, n'est pas aligné avec qui vous êtes. Et le simple fait d'accepter déjà, de commencer un travail d'acceptation sur ce qui vous arrive, d'accepter que ce n'est peut-être pas uniquement la fatalité et quelqu'un qui s'acharne contre vous ou le sort qui s'acharne. Non, c'est peut-être juste quelque chose que vous acceptez, que vous devez accepter pour comprendre que oui, vous avez des choses à changer. C'est le début de la guérison. Quand vous changez, quand vous commencez à changer, à dévier, à aller ailleurs, c'est le premier pas vers la guérison. Alors, un peu de détails sur la marjolaine. Donc, c'est une équilibrante du système nerveux en cas de neuralgie, migraine, hyperactivité.
mais elle est aussi l'huile des infections des voies respiratoires telles que la toux, l'asthme, la bronchite, la rhinite, toute forme de détresse respiratoire. Les détresses respiratoires, elles n'arrivent pas par hasard. Souvent, c'est une belle forme d'auto-sabotage. On s'empêche de respirer. La respiration est indispensable à la vie, hein, accessoirement. Donc, il y a pas mal de cas où, quand on se fait de l'auto-sabotage, ça commence par s'empêcher de respirer. Donc, traiter ça, c'est le début vers accepter qu'on mérite de vivre et de respirer librement. Ok ? Donc, mon conseil d'utilisation pour la marjolaine, c'est en diffusion à la maison, tout simplement, mais surtout dans la chambre à coucher. Vous pouvez tout simplement, comme tout à l'heure, vous en mettre un peu dans la main avec un petit peu d'une huile de base, vous faites ça, vous la respirez, vous en mettez sur la poitrine et vous allez au dodo. Okay ? Ensuite, il y a le jasmin. Alors, on y va pour le jasmin. Là, c'est pour préparer le terrain. On a préparé le terrain pour ce qui est accès au bonheur, mais là, on peut encore préparer le terrain pour nettoyer ce qui est souffrance émotionnelle. C'est vrai que le jasmin, c'est l'huile des peines de cœur et l'huile des douleurs musculaires, surtout ici, au niveau du haut du dos. Hein. On va l'utiliser en cas donc de souffrance émotionnelle, de dépression, de paranoïa, de manque d'amour propre. Mais elle soulage aussi les douleurs musculaires du haut du dos. Donc ça, c'est ce que j'ai vu beaucoup quand je travaillais à Hong Kong chez des hommes qui étaient souvent des traders, donc des gens qui bossaient pour des banques, qui avaient énormément de responsabilités et qui subissaient beaucoup ça. Donc c'est l'huile de celui ou celle qui en a plein le dos. Hein. Comment l'utiliser ? Eh ben, si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous fait la gentillesse d'aller vous en appliquer, diluer, là, il faut mettre dans une cuillerée à soupe d'huile de base, vous en mettez genre 3 gouttes, ça suffit largement, et vous vous faites appliquer ça ici, dans le cou, dans les trapèzes, etc., mais aussi sur la poitrine. Et évidemment, d'autant plus s'il y a des peines de cœur hein, à arranger. Peines de cœur. L'huile des peines de cœur. Donc là, je vous ai mis un exemple de dilution. C'est une cuillère à café, 2000 pertuis avec 5 gouttes de jasmin. Mais enfin, c'est entre 3 et 5 gouttes. 5 gouttes peut être trop fort. Hein. C'est très, très concentré le jasmin. Donc vous pouvez essayer avec 3 ou avec 5. Il y en a qui raffolent du jasmin. Alors, pourquoi le millepertuis ? Parce que c'est un antidépresseur, un anti-inflammatoire. Et donc, vous pouvez vous procurer, on appelle ça un macérat. C'est une huile de base infusée au millepertuis. Okay ? Oui, alors évidemment, si vous prenez déjà des antidépresseurs, il faut faire attention s'il n'y a pas de contre-indication avec l'hypericum perforatum. Alors, maintenant, l'ylang-ylang, c'est le même registre. Hein. Donc l'ylang-ylang, c'est une huile antidépressante, mais c'est aussi une grande rééquilibrante du système nerveux qui a la particularité donc, de remonter énergétiquement vos surrénales, souvent épuisées par le stress, et cet épuisement souvent vous fait voir les choses en noir alors qu'elles ne le sont pas. Pas forcément, ou pas autant. Enfin, en tout cas, ça vous empêche d'avoir l'énergie suffisante pour vous dire « bon, il faut que je change ma façon de faire les choses, ou que je change ma vision des choses, ou que je change quoi que ce soit ». Un changement, c'est un stress supplémentaire. Si déjà vous êtes liquéfié par le stress classique, habituel, le stress courant, peu importe, ben, il n'y a plus beaucoup de place, plus beaucoup d'énergie pour vous dire « oula, il faut que je fasse quelque chose ». En général, vous êtes là et vous dites « bon, on arrête la terre et je descends ». Ok, c'est là qu'il vous faut de l'ylang-ylang. Donc, elle a une action anti-stress qui lui donne ses autres vertus incontournables qui permet de soulager pas mal de problèmes cardiovasculaires tels que palpitations et pression artérielle élevée.
Et donc, le meilleur moyen d'en profiter, c'est de la diluer dans une base, telle que, encore une fois, le fameux macérat de millepertuis. Et vous pouvez vous en masser la poitrine avant d'aller vous coucher. Moi, souvent, j'en fais tomber quelques gouttes sur les oreillers ou les draps. Hein? Ça marche bien, ça. Alors, vous faites la même dilution qu'avec le jasmin, hein? C'est pareil. Hein? Mais l'ylang-ylang, allez-y doucement, ça peut être très fort. Donc, on commence par deux, trois gouttes maxi dans un petit peu d'huile et puis ça suffit. Hein? Alors voilà, ça c'est la happy oil. C'est l'huile qui est connue pour son pouvoir de mettre un sourire sur les lèvres. Et elle agit sur le cœur énergétique. C'est une huile du cœur. J'enseigne ça, enfin en médecine chinoise, on apprend que ça agit là. C'est un tonique cardiaque. Okay? Il faut savoir qu'en médecine chinoise, le cœur énergétique, c'est le siège de la joie. Et donc, les gens qui viennent me voir pour que je les remette sur les rails se retrouvent souvent à devoir utiliser des huiles essentielles du cœur, rien que pour leur redonner la capacité à éprouver de la joie, à devenir un bon public de la vie, à pas la subir trop. Parce que quelqu'un qui rit facilement et qui contamine les autres, dans le bon sens, ça fait guérir. C'est un médicament. Hein. Donc la lycée citronnée, rien que son odeur, sa fragrance, ça met le sourire aux lèvres. Hein. Si vous en avez, je pense que vous avez déjà dû expérimenter ça. Alors les super pouvoirs. La lycée citronnée, eh ben, elle combat la pression artérielle élevée, donc l'artériosclérose, la tachycardie, mais elle vous aide aussi en cas de fatigue, de léthargie, d'insomnie, d'anxiété, de dépression nerveuse. Et elle vous redonne intérêt à la vie, elle vous débarrasse des pensées négatives. Et donc, c'est une très bonne façon d'utiliser en diffusion, dans les pièces de la maison, parce qu'elle n'est pas tellement chère, elle sent très bon, tout le monde l'aime. J'ai encore jamais eu personne qui me dise « Oh non, la lycée citronnée, je peux pas. » Non, en général, c'est « Ah, les gosses l'aiment beaucoup. Hein. » Il faut y aller. En général, c'est le genre d'odeur que les enfants aiment beaucoup. Tout ce qui est espiridé, comme ça, ils aiment. Donc, elle est diluée en massage sur la poitrine. En gros, trois gouttes dans une cuillère à café d'huile de base ou dans votre lait pour le corps. C'est une très bonne huile à rajouter dans le lait pour le corps après la douche. Hein. Ça vous met sur le bon pied, ça vous met en bon état, ça vous prépare à vraiment accueillir une nouvelle journée. Là, je vous ai fait une petite synergie spéciale musculation du bonheur avec un petit peu de tout, avec une goutte de jasmin, deux gouttes de lycée, deux gouttes d'ylang-ylang et cinq gouttes d'orange dans deux cuillères à café d'huile. Vous choisissez macadamia, abricot, prunier, amande, etc. Hein. Donc là, avec cette petite synergie-là, bah vous faites d'une pierre plusieurs coups. Et c'est à essayer. En fait, il faut avoir un petit rituel. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut utiliser au sein d'un rituel. Si vous levez le matin, par exemple, et que vous décidez que cette journée va être bien, vous n'allez pas la subir, que vous vous mettez ça, hein, sur la poitrine, que vous la respirez. Que vous décidez de vous débarrasser de ce qui vous plombe la vie et que vous décidez de vous ouvrir à ce qui va vous la rendre plus belle et que vous vous entraînez à sourire et que vous vous entraînez à faire du bien autour de vous et à faire plaisir autour de vous. Ayez ça à l'esprit. Commencez par ça. C'est le début du bonheur parce que, indépendamment du vôtre, faire du bien aux autres, c'est une grande part de votre capacité à éprouver de la joie. Alors, j'espère que vous allez utiliser ça, que vous allez l'essayer. Il faut l'utiliser sur plusieurs semaines. Et le truc, c'est d'avoir un petit calepin pour prendre des notes sur ce que vous éprouvez et ce qui vous arrive. C'est le meilleur moyen de prendre conscience des bonnes choses qui peuvent se produire et vous mettre sur le bon chemin. J'espère que vous allez essayer. Voilà, on a fait le tour et maintenant je peux répondre à vos questions.